Salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Pro Cycling Simulator, toujours en mode pro cycliste, hein. Donc on va continuer notre aventure. On avait fini les trois premières courses et là on va aller vers la classique de Loué. Rien à voir avec les poulets, je sais pas, non c'est une classique portugaise donc sûrement pas. Allez, on va avancer. Ah merde, d'abord la Senate Cup 3, pardon, j'avais oublié. Donc on a été plutôt pas trop mal lors des deux premières étapes. Ici c'est vallonné, peut-être que ça nous aidera. Est-ce qu'on a... On est censé être le leader. On est libre, on peut attaquer si on veut. Donc on fait ce qu'on veut. En gros, on fait ce qu'on veut. On va bien voir ce qu'on va pouvoir faire dans cette étape-là, qui est quand même relativement vallonnée. Peut-être un peu plus difficile que la toute première. Mais bon, on voit bien que l'étape se répète. Hein. Ça doit être genre trois fois le tour de tel truc, parce que... Et ça finit à peu près sur la côte, ça doit finir. Hein. Un petit peu avant la côte, ça doit finir ici. Et même le bout là-bas. Donc, peut-être moyen de faire quelque chose en descendant ici ou dans la descente, attaquer dans la descente peut-être. Même si ça va rouler fort dans la descente. Ça dépendra à combien de kilomètres ça va être. 123 km, c'est pas très très loin non plus. Il y a un peu de montagne. On sait jamais. On verra bien qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. On est 100 000 coureurs. Ok. Le parcours est relativement vallonné. Tout le monde devrait avoir son mot à dire. On est où? C'est ça qui m'intéresse. On va faire la technique de base, hein, se mettre vers l'avant. 123 km, c'est pas très très long. Hein. On a un peu se tenter en échapper, ça. Ce serait un peu prendre des risques, mais en même temps, on est là pour quoi? On va se mettre à attaquer pour gagner des places. Attaque, oh, ça paraît un peu audacieux comme tactique. Allez, on va suivre. L'allure ne convient pas à certains coureurs qui tentent de s'échapper maintenant. Un batteur en 75. Y'a que moi qui me suis échappé? Oh ben relève-toi garçon. C'est parce qu'il y en a un qui s'est échappé, qui est quand même devant nous. Il y a maintenant plus d'une minute d'écart entre le peloton et l'échappé. Violente accélération en tête de course. Allez. On va suivre. On va même essayer de rattraper le premier là-bas. Même si ça commence déjà à monter. On n'est pas mauvais en descente, ouais. On n'est pas trop trop mauvais en descente. Parce que forcément, quand ça monte, c'est qu'au bout d'un moment, ça va descendre. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont particulièrement rudes. Allez. Plus de 2 minutes d'écart au dernier pointage. Le peloton ne semble pas vraiment concerné par l'échappée. Le tempo s'est même ralenti. Bah ça monte en même temps, donc... c'est pas évident, je les comprends, s'ils sont ralentis. On tente l'échappée, hein. Ça met un peu d'action, un peu de piment. Par contre, là, on va...
On va y aller comme un sac en descente. Hein. On va essayer de gagner du temps sur la descente. Hein. Allez. Après, on va rouler tranquillement. Ce serait bien que tu prennes des relais, mon petit, derrière. Hein. Je veux pas t'embêter, hein. Mais... Il est chiant, hein. Le tempo s'est ralenti. On ne s'entend plus en tête du peloton. Il est chiant, hein. Mais vas-y, mais prends de la tête, trou du cul. Hein. Roule, glandu. Hein. Je peux pas lui dire d'avancer. C'est dommage que je puisse pas lui dire. Mais vas-y, mais remue-toi, garçon. Là. Si tu veux qu'on arrive à... Qu'on arrive au bout, bouge-toi un peu. Hein. En tout cas, je me repose un petit peu. Parce que je pense que. On commence à perdre du temps. Mais c'est normal, il avance pas, ce trop duc là. Allez, je prends la tête. Par contre, on va monter à un petit 65 tranquille. On va sûrement perdre du temps dans la montée. L'écart diminue. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Ça se maintient. Tu vois, dans la descente, on va balancer. On va aller très très vite en descente. Ça compte aussi quand on est en carrière. Si jamais on fait des longues échappées, ça compte, hein. On gagne de l'XP bonus en faisant des longues échappées. Allez, maintenant il y a trois fois à faire ça. Allez, vas-y, fais le sommet. Attention, c'est là où c'est dur. C'est là où ça va être le plus dur. On a repris du temps quand même dans la montée. C'est que ils suivent pas non plus le peloton. On va y aller tranquille comme ça. Une avance non négligeable. Le peloton devrait maintenant réagir. Le peloton a ralenti. Les leaders se désintéressent de l'échappée du jour. Allez, je le laisse tranquillement passer. Vas-y, mon petit loulou. Je prends la descente après. Une fois qu'on passe le col, on dirait qu'il me pousse, le mec, là. Prends un peu des relais aussi, garçon. Ils attaquent derrière ou quoi? Parce que je vois qu'il y en a qui se fatiguent. Plus que mon joueur, alors que lui il est devant, tu sais, dans une échappée à deux. Allez, la descente, je la prends, hein, garçon. T'inquiète pas. Comment il s'appelle? Brikic. C'est quoi? C'est un quoi comme nationalité? C'est un... merde. Australien. Non, pas... pas australien. Ah, il s'est bien reposé, mon coureur. On va descendre à 80. On va essayer de prendre un maximum de temps dans la descente. On est bon pour ça, donc il faut en profiter. Hein. Faut jouer sur nos points forts. Le peloton est en haut du col. Et il reprend du temps, ce salaud. Putain, mais elle reprend du temps, mais une vitesse incroyable. Ça va, on regagne un peu de temps, là. Alors, on est tellement bon en descente qu'on s'est pas trop fatigué en faisant ça, quoi. La flamme des 5 km. Par contre, quand ça commence à monter, là, je vais lâcher mon relais. Je vais me reposer un petit peu.
Pas tout de suite, hein, quand ça va vraiment monter. On va perdre du temps, mais c'est la vie. Hein. Est-ce que je lâche mon relais? Allez, je vais lâcher mon relais. Je vais prendre un petit peu de ravito. Voilà. Comme ça, au moins, je suis bon. Que les plus costauds peuvent creuser un écart. Je suis bon en ravitaillement, comme ça. Ils sont pas très loin, en plus, derrière. Ils sont à 5 minutes, mais on le voit sur le plan, ils sont pas très loin, là. Le peloton augmente son allure. En plus, il est même pas fatigué quand il monte comme ça, le mec, quoi. Regardez, il est qu'à 125 pulsations, alors que les autres, ils sont derrière, ils sont au début de la côte, ils sont déjà crevés, mes collègues. Il y a même des lâchés, quoi. Allez, on est en haut. Bim, je prends la tête. Et on descend à toute vitesse. Il me suit, l'autre, hein. C'est bon, je vois son casque qui dépasse. Il me suit. Ça va, il a la pêche, le coureur, quand même. Je sais pas combien il a enchaîné d'échappées là, mais. Moi, à cette vitesse là, je tiens même pas un kilomètre. T'imagines, le mec il va à 57 km/h, quoi. Ça va, il dépasse pas trop la vitesse en ville, hein. C'est bien. Il respecte la vitesse. Là, il dépasse un peu là. De toute façon, il y a un flic, on est foutu là. 65 km/h. Ah non, merde, j'ai dit 65 km de l'arrivée. On est pas si loin que ça, hein. On a fait presque à la mi-étape, on est là. On est plutôt pas mal, hein. On va se reposer un peu. L'écart qui diminue encore, hein. Je pense pas qu'on pourra aller au bout de l'étape, mais bon, on aura fait une belle échappée. Nous avons dépassé la première moitié de course sur ce kilomètre. On a passé la mi-course, ça c'est bon. On va monter. Voyez, on se repose tranquillement là. Bon, l'écart il est en train de fondre avec le peloton, c'est un truc de fou. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Il y a quand même 67 en montagne, hein. C'est pas non plus tout pourri. Hein. On a un coureur assez équilibré, hein. À part en pavé, peut-être. Bon, c'est là où on est vraiment le moins bon. Pavé et récupération. Mais... Allez. On va se mettre que à 75, mais on va y aller parce que là... Ce serait bien que tu prennes des relais, toi, là. Parce que je le sens bien, le mec, hein. Il va me suivre jusqu'à la fin. Et puis à la fin, bim! Il est sorti du peloton comme une balle! Il va me doubler. Ah, il y en a qui attaquent! Oh, il y en a qui a 69 en montagne qui attaque. Pour l'instant, on est encore bien. Il y en a un qui est plus fatigué que moi. Alors qu'il n'est pas en échappée, quoi. Il est en plus 2. Ça va, on commence à en prendre du temps en plus. Il y a plusieurs échappés. Vas-y, on prend pas le relais, on va rester tranquillement comme ça. On va se reposer, voilà. On a la barre jaune qui remonte tranquillement. Et quand on est en descente, on met le turbo. Là, c'est une course à gérer, ça. On est quand même pas trop mal, hein. Tu veux pas prendre de relais, toujours pas, hein. Tu fais ton chien, toi. On aurait même la force d'attaquer, quoi. Si on l'a encore avant la fin de l'étape, avant le dernier col, on attaquera peut-être. Hein. Si on n'a pas été repris depuis. Hein. On est pas mal, hein. On maintient quand même un bel écart, hein. Et le peloton s'est totalement disloqué, là. Ouais.
Le peloton qui est parti en morceaux. On ne veut toujours pas prendre des relais. Hein. C'est con qu'on puisse pas savoir à combien il en est. Parce qu'il doit pas être super fatigué, le gars. Hein. Quoi qu'il a pas des bonnes stats. Hein. Combien il a en sprint? 58. J'espère qu'il va nous pas faire le coup du sprint ou de l'attaque au dernier moment. C'est pas un bon coéquipier d'échapper en tout cas. Tir de la course. Ce n'est plus le moment de quitter l'écran des yeux. Allez. Tu veux pas prendre un peu devant là? J'en ai marre d'attaquer tout seul là. Je vais prendre un petit peu de boisson. Bon, si tu veux pas attaquer, hein, je vais attaquer, tant pis. Hein. Casse-couille. Hein. Casse-couille celui-là. Hein. Peut-être l'occasion de faire quelque chose, Glandu, là. Si tu, si tu sors un petit peu les doigts du... Peut-être moyen de faire quelque chose. Les coureurs franchissent un passage délicat avec des pourcentages supérieurs à 10%. Par contre, dans la descente là, on va peut-être se reposer un peu. On va même se reposer maintenant. Dans la descente, on va se rester, voilà. Rester tranquillement, à se reposer. Pour regagner un petit peu d'énergie. Il revient notre échappé là. Trou du cul. Casse-toi. Casse-toi. On va attaquer le dernier col. Putain, tu veux toujours pas attaquer. T'es vraiment un chien toi. T'es vraiment un chien, saligo. Est-ce qu'on va avoir assez d'énergie pour aller au bout de cette étape? Parce que je vous le dis, je sens bien que le mec il va se retourner contre moi à la fin. Et je l'emmène avec moi depuis le début. Putain, il y a des coureurs qui sont à peine à 39. 25 coureurs qui sont derrière, ils vont nous bouffer. Ils vont nous bouffer avant la fin. Je pense que si je fais ça, je dois pouvoir les voir. Voilà, exactement. Va falloir faire une belle descente. Hein. Faut pas que l'écart il Allez, je suis obligé de garder la tête parce que sinon. On va plutôt rester comme ça. Voilà, on va se faire reprendre par le petit groupe là. Voilà, on va se reprendre par le groupe de 25 là. Voilà, tranquillement. Un bon grimpeur devant, tu m'étonnes que. Il a 76 en descente, il va bien nous niquer cet enfoiré. Il attaque. Attaque de Kunego. Il attaque ce saligo. On n'est pas très loin du haut. On va essayer de se reposer un peu. On est à 17 km de l'arrivée. On
On va essayer de se mettre du gel énergisant, même si, comme je vous le dis, j'ai jamais vraiment trouvé l'intérêt du gel énergisant. Même si là, on est crevé là. Même si on le voudrait, on pourrait pas attaquer. Encore 15 km à parcourir. Est-ce qu'on attaque? Si on se met comme ça. On est à 13 km de l'arrivée, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. On a une petite montée à la fin, donc on va rester comme ça, on va rester tranquille. On a fait une belle échappée. On s'est bien montré. Dommage. On n'était pas très très loin. On aurait été un poil meilleur, peut-être. Un poil meilleur baroudeur, un poil meilleur montagne. Encore 10 km à parcourir. On aurait peut-être pu aller au bout. Parce qu'on ne sait pas faire rattraper. On va rester dans les bottes de Cunego, là. Parce que je sens bien qu'il va viser la victoire d'étape. Voilà. Démarrage de Cunego. Ouais, il a démarré, mais il s'est vite calmé. On va essayer de rester bien placé. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres. Allez. On va essayer de faire un petit écart, même si on va sûrement se faire bouffer. Parce qu'on est en fringale, donc. Ouais. Bon, c'est pas grave. Ils sont combien? Ils sont 12. Bon, on finira au moins 13e. Cunego qui va tranquillement gagner cette étape. On va essayer de bloquer un peu des gens à faire le vieux chien. Non, c'est bon. Victoire en solitaire de Damiano Cunego. C'est ça, oui, pas en solitaire. Dommage. Dommage, dommage. Dommage qu'on n'ait pas fait les 10 premiers. On aurait mérité de faire quelque chose de mieux, mais on a fait une très très belle échappée. On a bien fait 120 bornes d'échappée. Ouais, peut-être pas 120, mais parce que c'est l'étape faisait 120. On a bien fait 100 km d'échappée. Hein. Un truc comme ça. Allez. Tout le monde revient à la maison. On a fait un bon classement. T'as la moto qui fait du surplace. Nous, on est là. Il nous a manqué juste un petit peu de jus. C'est dommage. 12e. C'est pas mal. Première échappée de plus de 50 km. On a gagné les points d'XP bonus. C'est pas énorme, mais bon. Allez, prochaine étape, la Classica de Loué. Bon, ça dit que c'est plat, mais je trouve pas ça que ce soit si plat que ça. Mais au niveau de l'entraînement, on est comment? Ça va jusqu'à... C'est en mars. Au niveau de la fraîcheur, on va peut-être... Ouais, on va continuer à travailler la forme. On va simuler pas mal de temps, là. Prime obtenue. On a gagné 50 euros quand même. Pour avoir fini 13e, ça va. On a gagné 470 euros depuis qu'on est cycliste. C'est trop cool. Ça pouvait être comme ça en vrai. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. En fraîcheur, on est bien. Et en forme, on remonte. Ah bah c'est bon. On n'a plus de rythme là, hein, ce qui est logique, hein, on n'a pas couru depuis un moment. Il y a plein de courses qu'on ne peut pas faire. Hein. Des courses pro qui sont que réservées aux grosses équipes. 28-2, ouais, celle-là par exemple, on ne pourrait
pas trop la faire. Bah, déjà, ce n'est pas une étape qui nous correspond du tout. Ça, c'est du pavé, donc ça ne correspond pas non plus. Être bloqué sur une autre course. Ah oui, c'est vrai qu'on avait la classique. Et c'était du pavé. Il y en avait celle-là. Celle-là en trois étapes. Avec du pavé et du méga plat. Mais il y a du sprint montagne. Il y a peut-être moyen de gagner... Gagner un maillot à poids sur cette putain d'étape. Enfin, sur ce putain de tour. Du 6-3, donc on avait dit de 6-3 ou 8-3. On va 7 points, ça demande. Ah oui, ça fait beaucoup de points. Ça, c'est 4 étapes. C'est du plat, du vallonné, un peu plus plat. Et du contre-la-montre au tout début. On va se tenter quand même. Allez, on va valider. Voilà, donc, vous voyez hein, comment on fait. On met un plus là où on n'a pas été sélectionné. On valide, ça nous consomme des points de saison, là. Donc, on s'est fait... du coup, ça nous a rajouté ça sur le calendrier. Du coup, on a inscrit l'équipe. Comme un vieux chien, on a fait le salaud. Donc, dans 4 semaines, on a la classique de louer. Au niveau des entraînements. On va rester à 3. Parce que la course est ici. Faut se méfier aussi de l'avoir. On va se mettre juste à 3 ici. Ici, on va se remettre à 4 pour regagner un petit boost de forme. Parce qu'on fait... Faut se méfier de la fatigue aussi. Hein. La barre rouge là qui va monter dans toute la saison. Faut se méfier de ça aussi. On va pas se retrouver trop fatigué avant la fin de la saison. Là, ça simule toutes les courses quoi, dans lesquelles on participe pas. Hein. On va essayer de faire une petite course avant la fin de cet épisode, ça serait bien. La classique de louer. Mais on en est quand même un petit peu loin. Il n'y a pas moyen sinon de... Je vais regarder s'il n'y a pas moyen de demander de simuler jusqu'à telle date. Normalement on peut, voilà. On va prendre par là, voilà. Voilà, comme ça, ça va tout simuler jusqu'à là-bas. C'est le tour du Qatar. On a gagné 3 990 €. Parce qu'on a notre salaire. 970 €, pardon. Parce qu'on a notre salaire qui est compté. Hein. Donc tous les mois, ça augmente. Parce qu'on a gagné 3 500 €. On gagne quand même. C'est bien. C'est bien. Mais... Bon allez, on avance. Quand on est dans des petites équipes comme ça, il y a beaucoup de simulation. Allez, 21 février. Dans 7 jours, ça arrive en bas, c'est marqué en bas. Hein. Il y a beaucoup de courses, hein, c'est pour ça que ça me prend, ça prend un peu de temps. C'est parce qu'il y a beaucoup de courses qui sont simulées. Allez, on est bientôt dans 6 jours là. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette course? Avec un Cédric qu'on a du plat, mais elle est un tout petit peu vallonnée quand même. Allez. On est le 27 et on va aller jusqu'au premier. Voilà, en forme, on n'est pas trop mal et en fraîcheur, on est tout à fond et en rythme, ça revient.
période du 1er avril au 31 mai. Alors, on en a un qui est blessé. Il y en a qui sont mieux que nous en forme. Hein. Il y en a qui sont moins bien aussi. Ouais, ça valonne un peu. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Pas de stratégie alors. Tout le monde s'en tape. On fait ce qu'on veut. Ok, on fait ce qu'on veut. Peut-être pas attaquer tout de suite, mais on pourrait attaquer au cours de l'étape. Ça pourrait être intéressant. Entre louer et louer. Toujours rien à voir avec le poulet. Hein. Avec les poulets de louer. Il y a beaucoup d'équipes portugaises du coup, forcément. Ouais, beaucoup d'équipes portugaises. Et pas de trop grosses équipes. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon, parce que comme ça on pourra peut-être faire un petit peu la différence. Même si on n'est pas du tout dans les... Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Dans les favoris. Cette course est relativement plane. C'est vraiment le terrain de jeu des gros rouleurs. Ouais, relativement plane, ouais, relativement. Il y a plus plat que ça quand même, hein. Au niveau de la carte, ça fait combien? Ok. Allez. On aimerait bien se faufiler à l'avant du peloton, s'il vous plaît. On est en train d'attaquer, mais ça se voit pas, hein. Voilà. ...150 km, ça fait une grosse échappée ça quand même. Le terrain est différent, il est stylé. On va rester dans l'avant de la course, tranquillement. On va se méfier des attaques. Comment, non? Je sais pas pourquoi ils sont entamés leur barre rouge, certains, là. Donc on n'est pas vraiment dans un effort... dans un effort de dingue, hein. On a des lunettes. Ça descend un petit peu, ça remonte, c'est un peu n'importe quoi, ce début d'étape. Ah. Il attaque pour attaquer ou juste pour se mettre devant? Non, il attaque pour attaquer. Il est fou. Déjà une attaque. Il est fou. Oh, il a pas dû étudier le profil de l'étape pour attaquer à cet endroit-là. À moins qu'il soit très très bon. Si je fais pause, je peux analyser le comportement. Travail à demander à un, ok. C'est cool ça. Ceux qui ont des petits icônes comme ça, on peut savoir qu'est-ce qu'ils ont en tête finalement. On va peut-être aller faire des attaques, peut-être, je sais pas, dans cette dernière partie. On va rester tranquillement dans le peloton pour le moment. Pas de raison de... pas de raison de s'exciter. C'est bizarre parce que la course est censée faire un espèce de circuit. Et pourtant, la course, à aucun endroit, ça se ressemble en fait. Échapper à 6 minutes quand même, hein. Ça va reprendre du temps. Il y en a qui courent devant, le peloton accélère. ...92 km, il reste. À 5 minutes, pourtant je suis sûr qu'ils sont pas très loin.
Merde, désolé, hein. Allez, après ça va descendre. On va voir où est-ce que c'est là, cet endroit là. Ah, si on laisse appuyer, tiens, non, ça je savais pas par contre. On a un petit zoom sur. Sur l'étape. Hein. Ça c'est pas mal. Après ça monte, mais doucement, c'est juste. Il y a la grosse montée là. Ils sont combien à 3 minutes? Je sais pas si on va sortir. Hein. Oh. Le leader est tombé. Espérons que cela n'aura pas d'incidence sur le déroulement de la course. Et l'échappé est pas très très loin. Ouais, 3 minutes quand même encore. 3 minutes et il reste 60 km. On va peut-être laisser se fatiguer les sprinteurs. Ah, hop, on va descendre tranquillement. 45 km. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Visiblement, l'allure ne convient pas à certains coureurs qui sont en train de s'échapper en tête du peloton. Est-ce qu'on tente l'échappée? On est à plus 2, on est encore bien. Allez. On va tenter l'échappée. Par contre... On a beau mettre la pression, on n'avance pas. L'allure ne convient pas à certains coureurs qui tentent de s'échapper maintenant. Non, on s'est fait reprendre. On s'est fait eu, donc on va... Donc on va tranquillement rester derrière. Et on va éviter de refaire la même connerie. Le peloton réduit l'écart avec l'échappée. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. On est toujours dans le peloton là. Ouais, non, non, on a fait une petite cassure là. On va rester dans ce groupe là. Les gars, si vous voulez, je peux vous aider. Je peux même vous aider si vous voulez. Trente kilomètres de l'arrivée, on est quand même pas mal fatigué déjà. Le rythme imposé semble trop élevé pour beaucoup de coureurs. On est déjà dans une échappée, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on... Merde, on va... Je voulais prendre un ravito, je l'ai eu. Non, du coup, je l'ai pas eu. C'est pas grave, on va rester comme ça. Personne n'a pris de ravito du coup. On va se reposer et on va rester comme ça jusqu'à la fin. Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. Ça roule vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop. Ils sont juste là-bas. Il va y avoir des cassures. Ils sont juste là-bas les deux. Il y a déjà des cassures en tout cas. Ah si, ça va, on a été... On a été ravitaillé. Lui il attaque, mais on va le laisser. Attaquant solitaire en tête du peloton. On va le laisser attaquer. On devrait peut-être à la dernière bosse là. Parce qu'après ça va descendre, ouais, mais bon, ça va être un peu chaud quand même. Se sortir du peloton, ça va être un peu chaud. Moins de 20 km, un peu plus d'une minute d'avance. Ça roule, hein. L'échappée va devoir batailler pour éviter le retour du peloton. En tout cas, on reste bien placé dans le peloton. On a rattrapé le gars. Il reste une minute et 18 km. Oh.
Il pourrait le faire. Hein. Si on continue à se battre comme ça. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappée. 15 km de l'arrivée, c'est il une bonne idée. Exactement 15 km avant l'arrivée. Nous, on est à 15 km maintenant. Hein. Donc là. L'échappée n'est plus qu'à maintenant 13 km. Voilà, hein. Un coureur vient de tomber. Heureusement, il n'entraînait personne dans sa chute. Allez. Si on attaque, on va pas pouvoir attaquer trop longtemps. Hein. Il faut penser à ça. Là, on va remonter. Encore 10 km à parcourir. Il y a pas mal de. C'est le tournant de la course. Une chute a envoyé plusieurs coureurs au tapis. Espérons qu'il n'y a pas trop de dégâts. Faut en profiter, mais lui là. Ah, c'est un sprinter. Le salaud, j'allais dire un gros mot. Allez, on va tenter de sortir de là. Ouais, ça va être compliqué. Encore une attaque, peut-être l'échappée décisive. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. La liste des lâchés ne fait qu'augmenter. On va essayer de faire un écart un petit peu, comme ça. En donnant tout ce qu'on a. Bien joué l'échappé. Mais non, encore cette fois, c'est niqué. Tant pis, hein. On aurait dû rester sur le sprint. Là, il y a un beau train. Hein. Ah, il va même se faire rattraper, peut-être. Hein. Il va peut-être même se faire rattraper, le gars. Bon, nous, on est dans la tourmente. Hein. L'échappé est terminé. Le groupe vient d'être repris. C'est parti pour l'emballage final. Ouais. Ça va être l'un de ceux qu'il y a devant là-bas. C'est le favori, je crois qu'il a gagné. Mais non, on va faire une sale place, mais c'est pas grave. Hein. Il a peut-être attaqué trop tôt, sûrement. Superbe victoire. Il a vraiment bien géré cette échappée. Il y a beaucoup de courses qui sont plus faites pour les sprinteurs que pour. Plutôt les étapes de vallon, les tout ça. Qui n'en finissent pas d'arriver. Oh là, il y a un arbre qui est à moitié au milieu de la route, là. Ça vous gêne pas, les gars? Attends, ça c'est. On peut se casser la gueule avec un truc comme ça. Qui c'est lui qui a gagné, je crois. Nous, on était là derrière. Ah, c'est pas lui qui a gagné? Je croyais que c'était l'Orange qui avait gagné. On a fait 38e. C'est un sprinter. Pas encore, il n'était pas des gros stats de sprint encore, ça va. Bon, je crois que c'était le favori. Donc voilà, bon, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à partager sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette aventure sur Pro Cycling Manager. Allez, ciao!